Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver dans votre deuxième numéro de l'émission L'opinion des femmes. L'opinion des femmes a l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui une grande personnalité politique. Avec le thème « Femmes en politique ». Nous allons tout de suite découvrir son profil. Première femme sénégalaise agrégée en sciences juridiques et politiques, elle est aussi la première femme candidate à l'élection présidentielle au Sénégal en 2012. Auteure de nombreuses publications, titulaire d'un doctorat d'État en droit obtenu à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, où sa thèse fut primée et publiée à la LJDJ Paris. Agrégée du CAMES en 1993, elle devient professeure titulaire des universités en 2003. Professeur Amsatou Sow Sidibé fut ministre conseiller chargé des droits humains et de la paix au sein du gouvernement du président Macky Sall. Diplômée de l'Académie de droit international de La Haye, elle capitalise 38 années de carrière universitaire au cours desquelles elle a formé des générations d'étudiants et de hauts cadres sénégalais et africains. Spécialiste du droit des personnes et de la famille, elle a défendu avec courage le code de la famille au Sénégal. Elle fut l'une des rédactrices du projet initial de la loi sur la parité. Le professeur Amsatou Sow Sidibé a laissé son empreinte dans tout ce qui a été fait pour les femmes par son engagement. Elle fut nominée au projet 1000 femmes, prix Nobel de la paix en 2005. Médiatrice, femme de paix, elle a contribué à apaiser de nombreux conflits dans le milieu scolaire, universitaire et professionnel, mais aussi sur les questions foncières. Membre du groupe des intellectuels africains pour la paix en Afrique, elle crée un espace dialogue, vérité et réconciliation pour la paix définitive en Casamance. Elle a dirigé de nombreuses institutions et a reçu plusieurs distinctions. Commandeur de l'Ordre de Mérite au Sénégal et chevalier de la Légion d'honneur française. Membre de la société civile, c'est en 2010 qu'Amsatou Sow Sidibé fait son entrée en politique en créant son parti, Mouvement Citoyen, Convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines. Le Mouvement Citoyen Carlenen est un parti humaniste et démocrate. Professeur, juriste, ministre, femme politique, militante engagée pour la cause des femmes, nous sommes honorés de recevoir sur le plateau de l'opinion des femmes Madame Amsatou Sow Sidibé, une des femmes leaders les plus en vue du continent africain. Professeur Amsatou Sow Sidibé, bonjour et bienvenue. Bonjour Befatou, bonjour à Madame Abré, pour qui j'ai beaucoup d'estime et de sympathie. Bonjour aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Bonjour à tous et à toutes. Professeur, vous êtes une femme qui évolue dans le milieu de la politique depuis plusieurs années. Êtes-vous toujours aussi passionnée? Oui. Je suis beaucoup plus passionnée aujourd'hui parce que j'ai envie de changer les choses. La politique telle qu'elle est vécue, telle qu'elle est pratiquée, qui s'écarte de l'éthique, qui s'écarte des valeurs, eh bien, je la remets en cause et je veux instaurer autre chose. Je veux faire la politique autrement, en mettant les valeurs au début et à la fin de la politique. Donc, toujours passionnée, même plus que passionnée. Vous avez eu une belle carrière, professeur. Vous avez été ministre, directrice de plusieurs institutions. Vous avez eu du pouvoir, vous l'avez exercé. Pensez-vous que le pouvoir doit s'afficher et peser pour exister? Afficher le pouvoir, je ne pense pas. Tout doit être naturel. Et je pense que quand il y a de l'artifice quelque part, eh bien, ça remet en cause la beauté, l'utilité, la valeur des choses. Donc, on n'a pas besoin de forcer pour montrer le pouvoir, parce que le pouvoir, il doit être naturel. Le pouvoir doit se montrer par le charisme de la personne, par l'utilité de la personne. Donc, on n'a pas besoin de faire beaucoup de mouvements, beaucoup de gestes pour montrer quelque pouvoir que ce soit. Parce que dans le pouvoir, encore une fois, il y a un mot qui me paraît très utile, c'est l'utilité, que j'ai répété d'ailleurs. Alors, en revanche, je peux dire que il y a des niveaux où on exerce le pouvoir et où le pouvoir est naturellement montré.
quand on est aux instances décisionnelles, eh bien, on est face à la société, on est face au monde, et l'exercice du pouvoir est manifesté. Mais là où je veux surtout mettre le doigt, c'est dans le fait que le pouvoir ne doit monter à la tête de personne. Donc l'humilité dans l'exercice du pouvoir, eh bien, ça rend ce pouvoir plus efficace. Encore une fois, je reviens au mot utilité. Parce que le leadership doit s'incarner par l'utilité. Et en politique, le leadership, eh bien, doit être manifesté dans l'utilité pour gérer sa cité positivement, pour faire en sorte que l'humain soit épanoui. C'est ça qu'il faut rechercher dans la politique. Et c'est ça qui fait que, donc, votre première question, je vais y revenir. La politique, oui, c'est-à-dire l'art de gérer la cité, de faire en sorte que les populations se sentent mieux, de faire en sorte que la démocratie soit une réalité, de faire en sorte que les droits des personnes soient respectés. Tout court, de faire en sorte que l'humain, encore une fois, se sente mieux et beaucoup mieux. C'est ça. Donc, pas de manifestation express pour montrer son pouvoir, mais le pouvoir doit être naturel. Le pouvoir doit être l'efficacité. Le pouvoir doit être la promotion des valeurs. Et le pouvoir doit être ce que l'on fait pour être utile aux populations. Une belle définition du pouvoir, professeur. Est-ce qu'en tant que femme, dans l'exercice de vos fonctions, vous avez eu des difficultés parfois à faire exécuter vos décisions? Je ne l'ai jamais senti. Vous savez que je n'ai jamais senti le racisme. Et je refuse même de sentir la discrimination. Et alors, je puis vous dire que dans l'exercice de mes fonctions, à quelques exceptions près, je dis bien, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais à quelques exceptions près, je n'ai pas senti cette volonté de bloquer mes décisions. Pourquoi? Parce que je fais tout en collégialité. Je discute, je dialogue, je suis une femme de dialogue. Et je discute jusqu'à ce qu'on arrive à des décisions consensuelles. C'est important. Quand la décision est consensuelle, sa mise en œuvre est beaucoup plus facile. Donc, je n'ai pas senti de refus, je n'ai pas tellement senti de refus d'exécuter des décisions que j'ai eues à proposer. Sauf, encore une fois, j'ai dit à quelques exceptions près, voilà, sans rentrer dans les détails. Mais c'est normal. Vous savez, au niveau de l'université, je suis un pur produit de l'université. Donc, pendant près de 40 ans, j'ai été active dans le milieu académique. Avec les étudiants, il n'y a pas de difficulté. Entre collègues, on discute. Et au niveau où j'ai eu à diriger, par exemple, l'Institut des droits de l'homme et de la paix de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui est un institut d'université à vocation africaine, j'avais une équipe avec laquelle je discutais sans problème. Et vous savez aussi, toujours dans le domaine académique, j'étais présidente de jury d'agrégation. Et vous savez dans quel pays? Au Tchad. Quand le concours s'est passé au Tchad. J'étais la présidente de jury. J'étais la seule femme. Il n'y avait que des collègues hommes. Mais on a tout fait vraiment dans l'harmonie et les décisions passaient facilement.
Donc vraiment, je n'ai pas eu souvenir, à quelques exceptions près, de brimade hein, à mon égard dans mes activités professionnelles. D'accord. Et pour la politique, parce qu'on sait que les femmes en politique rencontrent beaucoup d'obstacles. Quels sont les plus significatifs, après votre expérience? Il y en a une qui me semble le facteur bloquant, c'est l'avoir. Parce que je crois que les femmes, en général, elles sont honnêtes. Elles sont honnêtes. Elles travaillent à la sueur de leur front et en général se limitent à l'avoir exercé à la sueur de leur front. Il est rare de voir des femmes qui détournent. Et donc, sur le plan matériel et financier, elles peuvent rencontrer des difficultés. Or, la politique maintenant, vous savez que l'argent est mis en avant au-dessus de tout. Pourvu de donner de l'argent, on ne pense pas à l'origine de cet argent-là. Ce qui est pourtant très important. En termes de bonne gouvernance, il serait bon de savoir d'où vient tout cet argent utilisé par les hommes et les hommes politiques. Donc, c'est un. De deux, en politique, évidemment, les femmes qui sont des mères, qui sont des épouses, peuvent avoir quelques difficultés parce qu'il faut gérer, il faut tout gérer. Et les femmes qui sont en politique, en général, encore une fois, elles ont beaucoup, beaucoup à faire parce qu'il faut organiser la maison, il faut s'occuper de ses activités professionnelles. Il faut s'occuper de la solidarité sociale, de la solidarité communautaire. Alors, c'est des difficultés, mais c'est des atouts. Parce que les femmes, encore une fois, savent en même temps gérer tout ce qui peut intéresser la cité. En commençant par la famille, qui est la cellule de base de la société, et en allant vers tout ce qui peut toucher à l'ordonnancement, à l'organisation sociale. Donc, c'est difficile, mais c'est un atout. Ça signifie que les femmes, si on prenait en compte leur expérience dans tous les domaines et leur faculté, leur grande faculté, c'est une faculté importante, cette faculté à gérer en même temps et bien tout, je crois que les femmes seraient à des niveaux décisionnels qui auraient qui amèneraient des résultats éminemment positifs pour l'ensemble des populations. Malheureusement, et actuellement, ça peut constituer une tare qu'il faut absolument extirper de notre mentalité, de notre vécu. De dire que c'est une femme. Ah, le pouvoir, Dieu l'a donné à la fois aux hommes et aux femmes. Et Dieu veut que ça se passe comme ça. C'est pour cela qu'il a créé ce système paritaire homme-femme. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a créé d'autres systèmes paritaires. Le ciel, la terre, n'est-ce pas? Effectivement. La personne, les animaux, parce que la vie, elle doit être harmonieuse. Et malheureusement, ce n'est pas toujours compris. On a tendance à croire que la femme peut constituer, dans le domaine de la gestion de la cité, donc de la politique, une quantité négligeable. Quel gâchis! C'est un gâchis! Parce que faire la politique, encore une fois, c'est réfléchir aux mécanismes qui peuvent permettre à l'humain d'évoluer normalement, d'avoir l'éducation, d'avoir un environnement sain, de s'occuper de la famille,
de pouvoir travailler, d'accompagner la jeunesse, etc., etc. Alors, quand on pense que les femmes ne doivent pas mettre la main à la pâte pour gérer cela, ou alors doivent mettre la main à la pâte insuffisamment pour gérer ça, quel gâchis ! Ah, si on comprenait, si nos populations comprenaient que le rôle de la femme dans la société, c'est un rôle d'utilité sans lequel les populations ne peuvent pas être épanouies, eh bien, ils changeraient, je crois, de mentalité, de manière de faire. Et il faut un up, c'est-à-dire qu'il faut une remise en cause fondamentale des pratiques, des manières de voir, des visions qui sont fausses. Qui sont fausses. Et qui font que malheureusement, parce que plus de la moitié de la population est un peu mise à l'écart, on n'arrive pas, on ne réussit pas. Le développement doit être réalisé par les deux sexes, par l'homme et par la femme. Tout, la santé, tout, on a besoin et de l'homme et de la femme, de l'adulte, du jeune, de l'enfant, pour faire organiser une société harmonieuse. Donc, il n'est que temps pour que les femmes eh bien, mettent en pratique leurs expériences. Il y a énormément de femmes expérimentées effectivement, qui ont toutes les qualités de grands leaders, qui ont les connaissances, parce qu'il faut avoir quand même des connaissances. D'où que viennent ces connaissances? Les femmes, elles en ont beaucoup maintenant. Non seulement elles ont étudié, je ne parle pas seulement d'études à l'occidental ou d'ailleurs, mais elles ont des connaissances acquises socialement. Et c'est elles qui transmettent les traditions, c'est elles qui transmettent les cultures, etc. Mais les femmes, en plus de du savoir, c'est le mot savoir qu'il faut utiliser, en plus du savoir, ont le savoir-faire. Professeur. Elles sont compétentes. Elles mettent en pratique et elles ont le savoir-être. Elles véhiculent les valeurs, sauf à quelques exceptions près, bien entendu. Et il faudrait justement que l'on parle à nos femmes, aux femmes, pour qu'elles tiennent bon sur ce plan-là. Parce que les valeurs, c'est ça qui permet d'avoir une bonne assise. Ne pas les utiliser à bon escient, c'est une perte, c'est ce que je veux dire. Vous l'aviez souligné tout à l'heure, la gestion mentale du foyer, les obligations en tant que mère parfois, en tant que sœur, surtout en tant que femme. Est-ce que ceci constitue un frein? Vous l'aviez peut-être classé dans la catégorie des atouts, mais est-ce un frein en l'engagement politique des femmes? Je ne dirais même pas mental, mais psychologique. Psychologique. C'est difficile, mais c'est utile. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les femmes, elles font tout et en même temps. Et elles ont l'obligation de réussir et elles-mêmes ont la volonté de réussir. Ça signifie que ce n'est pas facile. Mais qu'est-ce que ça demande? Parce que nous sommes toutes, hein, toutes dans ce lot, nous gérons la maison. Et il faut bien gérer la maison. Parce que les membres de la maison ne peuvent pas s'arrêter au fait que la mère, elle travaille à l'extérieur ou elle fait de la politique. Il y a des obligations de résultat dans la maison déjà. Elle s'occupe de ça. Elle s'occupe des communautés. Parce que traditionnellement, c'est ça. Et c'est normal. Parce que ce sont les femmes qui sont les mères. Alors, c'est très difficile, c'est pas facile, mais ce que ça demande, c'est l'organisation et la méthode. Quand on a l'organisation et la méthode, on y arrive. Ça signifie quoi? Ça signifie que
Les journées de la femme qui est en politique, ce sont des journées qui sont bien organisées et à l'avance. Mais je veux dire aussi que, en plus de l'organisation et de la méthode, il faut un soutien de tous. Quand on est en famille, il faut le soutien des parents, il faut le soutien du conjoint, c'est fondamental. Il faut que le conjoint comprenne que la femme, elle aussi, elle a droit à des activités publiques qui ne sont pas des activités privées à la maison. Et avec ça, avec ce soutien, eh bien, les femmes y arrivent. Hein, nous toutes, moi je vais vous donner une anecdote. Professeur d'université, je dispense des cours à des heures précises. J'ai eu un bébé qui avait quelques souffrances. Et à un moment donné, j'étais hospitalisée avec lui, un bébé de quelques mois. Je ne pouvais pas le laisser seul à l'hôpital. Eh bien, je suis allée, on était hospitalisés. Mais j'avais cours à 9h, de 9h à 10h à l'université, chez Khanta Diop de Dakar. À 9h moins 10, j'étais à la fac. Je dispensais mon cours et je retournais à l'hôpital avec mon enfant. J'avais mes cours, quand il dormait, bien je revoyais les cours pour aller les dispenser le lendemain. Donc, je suis consciente de mes responsabilités, aussi bien dans la famille qu'à l'extérieur, n'est-ce pas? Effectivement. Donc, pour que la famille mange, je suis obligée à un moment donné de prendre mon téléphone et de dire, est-ce que vous êtes en train de préparer à manger? Et de dire, préparez ceci, cela, que ceci, que tout soit propre. Voyez donc. Ces femmes qui sont en politique, justement, Dieu merci, ont cette capacité de s'organiser. Ce sont des femmes qui ont le sens de l'organisation et de la méthode, et elles arrivent à des résultats tout à fait positifs, quelles que soient leurs activités. Effectivement. D'après ce que vous venez de dire, on comprend aisément que les femmes en politique pensent aussi à leurs enfants et à leur famille. Mais aussi quand on sait que la participation politique des femmes, souvent, ça vise ceci, puisqu'on sait que les femmes pensent à leurs enfants, à leur famille et de manière générale au social. Alors, est-ce que les actions sociales devraient être mieux gérées par les femmes, les affaires sociales? Normalement, les affaires sociales devraient être l'apanage de tout un chacun, les femmes et les hommes. Parce que c'est ça. On parle de politique, donc de l'art de gérer la cité. Alors, les hommes sont en politique. Effectivement. Les femmes sont en politique et devraient jouer un rôle fondamental en politique. Donc, je pense que les questions sociales, effectivement, les femmes ont un rôle essentiel à y jouer, mais les hommes aussi. Je crois que c'est une question d'activités communautaires et tous les membres de la communauté doivent participer pour que la vie en société soit des meilleures. Professeur, dans le contexte sénégalais, dès qu'on parle de femmes et de politique, on pense à la mobilisation. Et dans la mobilisation. Effectivement. Et dans la conscience populaire, c'est cet état de fait qui est ancré. Alors, les femmes aussi semblent s'y plaire. Qu'en pensez-vous? Mais moi, je pense que il faut un changement de cap. Toutes les femmes ne peuvent pas passer leur temps à mobiliser, n'est-ce pas, et à soutenir. Il faut que les femmes, je vous dis, c'est une question d'objectivité. C'est une question de volonté d'arriver à des résultats. C'est une question d'assurer l'équilibre de la société. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que les femmes elles-mêmes, elles devraient savoir qu'il y a des femmes qui peuvent très bien les représenter et qui peuvent très bien participer de façon positive
à la gestion de la cité. Et je pense qu'il faut aujourd'hui un changement de mentalité. Parce que socialement, on a tellement mis dans la tête des femmes que vous devez rester à la maison, gérer les activités privées, que les hommes doivent gérer les activités publiques en dehors de la maison. Alors elles-mêmes, elles se confinent dans la maison et ne sortent que pour aller applaudir. Ça, ça doit être fini. Vous savez pourquoi? Parce que, évidemment, dans ces conditions, nous n'avancerons jamais. On a besoin des réflexions des femmes, on a besoin des œuvres par les femmes, on a besoin de la présence des femmes et de la plus belle des manières. Donc, il faut que les femmes changent. Et il y a énormément de femmes capables. J'en sais quelque chose. Vous savez, en tant que professeur d'université, j'ai vu combien il y avait des femmes, des jeunes femmes compétentes, intéressées, engagées. Mais il faudrait qu'on change les mentalités et qu'on sorte de l'esprit de la population que ces femmes-là sont des femmes qui doivent être confinées. C'est malheureux, c'est malheureux. Les femmes doivent participer. Et participer, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord communiquer. C'est d'abord communiquer. Il faut que les femmes communiquent. Il faut que les femmes soient dans la sphère publique. Il faut que les femmes donnent des positions. Il faut que les femmes protègent les femmes elles-mêmes. Il faut que les femmes protègent leurs enfants, c'est-à-dire la jeunesse. Il faut que les femmes soutiennent leurs maris. Il faut que les femmes s'occupent des personnes du troisième âge. Naturellement, c'est leur rôle. Mais on veut leur faire comprendre que ça ne doit pas être ainsi. Elles-mêmes, elles doivent prendre conscience. D'abord, prendre conscience de leurs valeurs intrinsèques. Elles en ont. Elles gèrent bien, en général, sauf exception. Elles ont des valeurs intrinsèques. Et avoir confiance alors en elles. Il faut que les femmes aient confiance en elles, qu'elles sachent qu'on a besoin d'elles et qu'elles sont capables d'eux. Et il faut que les femmes s'engagent. Il n'y a rien à cacher. Il faut qu'elles s'engagent. Il faut qu'elles sortent pour dire cette cité-là, elle est commune. Eh bien, nous allons aussi participer pour que cette société commune, communautaire, aille de l'avant. C'est une responsabilité. Elles doivent prendre leurs responsabilités. Et ça, c'est une urgence signalée. C'est une extrême urgence. Mais souvent, les femmes qui ont les compétences, elles refusent de s'impliquer. Pourquoi? C'est la société. On a mis dans leur tête que vous ne devez pas vous impliquer. Et bien qu'étant compétentes. Comment? Bien qu'étant compétentes. Oui, elles sont intimidées. Elles n'ont plus confiance. Elles n'ont pas confiance en elles parce qu'on leur a dit « Faites-vous belle si vous voulez vous aller à l'école, mais taisez-vous. » Et voilà pourquoi je parle de la communication. Il faut qu'elles sortent, il faut qu'elles communiquent. Il faut qu'on les écoute, il faut qu'on les entende. Parce qu'une femme, en général, elle est positive. Elle a porté l'enfant, elle a allaité l'enfant, elle s'est occupée de l'éducation de l'enfant. Elle aime l'enfant. Mais pourquoi est-ce qu'on va lui dire de ne pas s'impliquer dans ce qui peut faire épanouir cet enfant-là? Voilà le hic. On lui dit, vous êtes la mère, vous vous occupez de l'enfant dans la maison, regardez ses leçons, occupez-vous de lui, mais après c'est fini. Alors qu'elle, elle connaît mieux que quiconque ses enfants. Pour dire, pour ses enfants, voilà ce qui est bon. Voilà ce qui n'est pas bon. Mais alors, quand on lui fait savoir qu'elle n'est rien, qu'elle doit s'enfermer, qu'elle doit préparer à manger uniquement. Mais c'est bien de préparer. Moi-même, je prépare à manger. Hier, j'ai préparé à manger pour tout le monde. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut que les femmes s'impliquent. Sinon,
c'est du gâchis. Le mot gâchis va revenir. Voilà. Et des études nous montrent que dès qu'une femme travaille et a un salaire, elle pense aux enfants, à la famille de manière générale. Est-ce qu'aujourd'hui, il est impératif d'assurer la promotion des femmes juste pour le développement? Ah oui. Ah oui, ça, c'est le nœud gordien. C'est le point le plus important. L'autonomisation économique des femmes, c'est fondamental. Moi, vous savez, j'ai toujours travaillé sur ça. Parce que à la conférence mondiale des femmes de Beijing en 1995, il avait été décidé, sous la tente africaine, d'organiser ce qu'on appelle le réseau africain des femmes travailleuses. Quand nous sommes rentrés à Dakar, eh bien, j'avais été désignée présidente du RAFET, le réseau africain des femmes travailleuses. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les femmes sont des travailleuses et participent dans les conditions possibles au développement. Mais il faut promouvoir ça. Il faut renforcer leurs capacités. Il faut leur donner par des formations. Il faut leur donner des moyens d'activité génératrice de revenus. Il faut les aider à bien gérer leur argent, à ne pas gaspiller cet argent, etc., etc. Et c'est ça qui peut permettre d'avoir une société équilibrée où il y aura assez à manger, où on pourra acheter les médicaments en cas de maladie, où on peut s'éduquer, s'occuper de l'éducation des enfants, où on peut s'occuper de l'environnement. C'est ça. Les femmes, elles font plus de la moitié de la population. Dans le monde entier, plus de 50%, c'est connu. Alors elles, quand elles participent valablement au développement, quand on les forme, quand on leur donne les moyens du développement, imaginez ce que ça peut faire pour la population. Plus de la moitié de la population. Ça, c'est fondamental. Et je pense que toute politique devrait mettre le doigt sur ça, faire en sorte que l'action dans le développement des femmes soit promue et que les femmes soient dans de meilleures conditions. Parce que quand on les voit à 4 heures du matin dans les cars rapides pour aller acheter du poisson au bord de la mer, revendre ça dans les marchés, apporter quelque chose dans la maison, il faut s'occuper de leur protection, de leur sécurité. Il ne faut pas qu'elles soient agressées. Effectivement. En pleine nuit. Effectivement. Et oui. Vous l'avez souligné, le pourcentage des femmes dans le monde. Mais aussi, dans de nombreux pays africains, comme le Sénégal, les femmes font plus de 52% de la population. Elles sont donc un poids électoral très important. Mais elles n'ont pas encore conscience de ceci. Oui. C'est-à-dire que elles sont aujourd'hui un poids électoral fondamental. Mais il faut renverser les choses. Il faut qu'elles-mêmes soient les candidats. Il faut qu'elles soient candidates. C'est elles-mêmes. Et puis bon, quand elles sont candidates, il faut que d'abord les femmes elles-mêmes les soutiennent. Parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qui va s'intéresser au vote des lois qui concernent les femmes, mieux qu'une femme députée, hein? Une femme présidente de la République va s'occuper de tout le monde. C'est son devoir. Mais n'oubliera pas les femmes. N'est-ce pas? Pas de discrimination à l'égard des femmes. Exiger que les droits des femmes soient mis en œuvre. C'est important que les femmes soient là. Sinon, les autres femmes sont oubliées. Est-ce que les femmes ont conscience de cela? Elles vont toutes se précipiter pour soutenir un frère. Ce sont nos frères, hein? Effectivement. Mais maintenant, on dit, les femmes, soutenez les femmes pour au moins équilibrer les choses, pour que les droits des femmes soient mieux considérés, pour que la place de la femme soit meilleure, pour qu'il y ait moins de discrimination à l'égard des femmes. Et quand il y a moins de discrimination, moins de violation des droits des femmes, toute la famille s'en ressent. Parce que les violences qui sont faites aux femmes,
eh bien, elles ont un impact sur toute la famille. Ça déséquilibre l'entièreté de la famille. Donc, vraiment, maintenant, j'aimerais bien que les femmes elles-mêmes disent, nous voulons quand même que nos sœurs s'impliquent davantage. Et pour que nos sœurs s'impliquent davantage, eh bien, nous devons les soutenir et voter pour elles. C'est l'ère des femmes aujourd'hui. C'est l'ère, ça doit être l'ère des femmes aujourd'hui. Si on veut de grands changements, ça doit être l'ère des femmes. Alors, vous voyez, les pays où une femme a dirigé, ce sont des pays où, quand il fallait que la femme quitte parce que son mandat était terminé, tout le monde pleurait. Écoutez-moi. Parce qu'ils ont goûté au pouvoir des femmes, à l'activité des femmes au plus haut niveau. C'est ça, au règne des femmes au plus haut niveau. Encore une fois, les femmes ont le sens de la justice. Parce qu'elles sont mamans. Une maman ne voit pas, ne peut pas voir ses enfants dans des conditions difficiles. Ce n'est pas possible. Elle préfère ne pas manger et laisser aux autres le soin de manger. Quand elle a quelque chose, elle est obligée de partager. Donc, voyez, ça, ce sont des valeurs que l'on observe, que l'on semble négliger et qui font que, évidemment, nos sociétés ne sont pas épanouissantes. Les femmes, soutenez les femmes, un appel très important que vous venez de lancer. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre émission L'Opinion des femmes et nous recevons aujourd'hui le professeur Amsatou Sow Sidibé. Nous avons tendu notre micro à des Sénégalaises sur le thème. Suivons-le tout de suite. Pensez-vous qu'il faille encourager les femmes à faire de la politique et donc d'être plus nombreuses au gouvernement, à l'Assemblée nationale et dans les autres institutions? Ce ne sera pas chose facile, d'autant plus qu'à ces postes de responsabilité, elles sont nommées par soit le leader, et c'est le leader qui juge justement le nombre qu'il faudrait de femmes pour les installer. Aujourd'hui, on parle de parité, donc après chaque homme, il y a une femme qui vient. En longtemps, les femmes ont participé à la lutte pour la démocratie, à l'image des Ndiaye Yalla et autres. Elles se sont toujours battues pour avoir leur liberté, mais également les droits des femmes. C'est peut-être une injustice à rectifier, parce que je pense que les femmes sont aussi compétentes que les hommes et elles doivent faire partie quand même du gouvernement. Elles sont présentes à l'Assemblée nationale grâce à la loi sur la parité, mais je pense qu'elles doivent également faire partie du gouvernement, parce qu'il y en a même quand même des ministres femmes, mais je pense que c'est insuffisant par rapport au nombre d'hommes qui sont dans le gouvernement. Il ne faut pas se laisser marcher dessus, il faut s'imposer, comme j'ai dit tantôt, pour les postes de représentativité, mais également dans le monde de nos politiques, ce qu'on a tendance à voir, c'est que les femmes sont toujours reléguées au second plan. Il y en a au moins certaines qui ne se laissent pas faire du tout, certaines qui tapent du poing sur la table quand il le faut et tout cela. Je crois qu'il faut davantage également que les femmes se fasse ressentir au niveau du landerneau politique et de ne pas toujours accepter d'être derrière les hommes ou bien à taper des mains. Cela ne suffit pas. Alors on doit également imposer notre leadership. Moi je me dis souvent qu'il faudrait une femme justement à la tête de ce pays pour le redresser, pourquoi pas. Il y a des femmes braves, il y a des femmes conscientes qui font de la politique et qui ont une image respectable à l'image de nos ancêtres, à l'image également des braves femmes qui ont écrit la loi sur la parité. Mais il est temps que les femmes quand même sachent qu'elles sont majoritaires, mais qu'elles puissent quand même aller jusqu'au bout. Parce qu'à chaque fois, quand il y a élection, la plupart des femmes préfèrent se cacher derrière des leaders politiques pour dire c'est mon tchamène, comme on dit en Wolof, et ou bien c'est mon frère, je le laisse partir. Alors que les femmes peuvent changer beaucoup de choses. Si on se réfère quand même au pays où les femmes dirigent, il y a beaucoup d'améliorations. Et bon, je pense qu'il est temps quand même. Alors, pourquoi ne pas nous solidariser
il y a également ce manque de solidarité entre les femmes, il faut le dire. Aujourd'hui, si vraiment on se solidarisait et puis on portait l'une d'entre nous à la tête d'une institution, je pense qu'on allait gagner. Avec les femmes, tout est gagné. En tout cas, pour moi, c'est ma philosophie. Comment doit être une femme politique? Elle doit être une combattante déjà, parce que être dans la politique, c'est pas chose aisée du tout. Surtout quand on partage ce milieu-là avec des hommes, c'est pas évident. Forcément, il faut être très combattante, mais également avoir le courage de ses idées, aller de l'avant. Et pourquoi pas, il faut faire un vrai fighting avec les hommes. Merci beaucoup à la régie. Professeur, un petit commentaire après ce reportage? Mais oui, elles ont compris. Hein? Et j'ai senti que, bon, voilà, c'est à peu près la même chose que je disais. C'est-à-dire que je crois que le temps des femmes est arrivé. Et il ne faudrait pas que nous perdions cette belle occasion. Voilà. Professeur, dans le cadre du gouvernement sénégalais, on a eu des femmes à des postes ministériels importants. On a eu une femme à la tête de la primature. On a eu une femme ministre chargée des Affaires étrangères. Même deux femmes à la primature. Effectivement, on l'a eu. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il reste un blocage, le ministère des Finances? Est-ce que confier la gestion des comptes de la nation à une femme, cela représenterait-il une grande avancée? Mais absolument. Mais pourquoi est-ce qu'on confie ça aux hommes? Parce qu'ils sont musclés et qu'ils savent porter les lourds sacs d'argent, vous croyez? C'est la tête. Et vous savez, en termes de gestion, on a toujours pensé que les femmes étaient de bonnes gestionnaires. Évidemment, il y a des exceptions pour tout, mais elles étaient de bonnes gestionnaires. Dans la société, avec ces questions de transfert d'argent entre femmes, n'est-ce pas? Mais ce sont les femmes qui font ça. Ce qu'on voit aujourd'hui, les calebasses, les ketlas, qui sont des semi-banques, mais c'est les femmes. Et à quelques exceptions près, encore une fois, elles gèrent très bien ces mini-banques, ces calebasses. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne confierait pas un ministère des Finances aux femmes? Voilà, les ministères de souveraineté, pour la plupart du temps, sont confiés aux hommes. Je ne sais pas quelle est la logique, quelle est cette logique. Parce qu'encore une fois, il y a des femmes qui ont un grand sens des valeurs, qui sont honnêtes, qui ont bien le sens de la bonne gouvernance, mais je ne vois pas pourquoi. Est-ce qu'on ne leur confierait pas au Sénégal? Parce qu'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui sont ministres des Finances. Mais au Sénégal, vraiment, il y a un changement de mentalité qui est aujourd'hui une extrême urgence. Une extrême urgence. Alors, nous savons qu'on a voté des lois comme la loi sur la parité, mais est-ce que la seule présence des femmes sur le terrain politique ou à des postes ministériels, est-ce que c'est suffisant? Oui, mais ce n'est suffisant pour personne. Aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Vous avez vu ce qui se passe dans les assemblées nationales, où les deux sexes se boxent. Au lieu de réfléchir à de bonnes lois pour les populations, au lieu de faire le contrôle nécessaire de l'action du gouvernement, c'est les femmes et les hommes. Donc, ce qui est valable pour les femmes, c'est-à-dire la nécessité d'un renforcement de capacités. Ah, il faut renforcer des capacités. C'est valable pour les hommes aussi. Ah oui, beaucoup. Hein, vraiment, je dirais que c'est kiff-kiff, hein, c'est la même chose. Donc, je ne vais pas faire de distinguo sur ce point. Entre hommes et femmes, c'est valable pour les deux sexes. Si on veut une bonne Assemblée nationale, il faut renforcer les cap. D'abord, il faut savoir connaître les bons critères de choix. Et ensuite, une fois qu'ils sont élus, il faut renforcer leurs capacités. Qu'il s'agisse des femmes ou des hommes, c'est la même chose.
D'accord. Mais pour renforcer la participation politique des femmes, on peut pas, nous savons qu'on ne peut pas seulement se limiter qu'aux instances électives et semi-électives. Il faudra peut-être étendre la loi de la parité aux postes nominatifs. Qu'en pensez-vous? Au bureau et aux commissions aussi. Oui, mais absolument. Au bureau, maintenant, il y a une bagarre avec l'ONP, hein, l'Observatoire national de la parité. Parce que dans les bureaux collectivités territoriales, la tendance était de dire, bon, c'est sur les listes, mais pas dans les bureaux. C'est incroyable, hein? Mais il y a des décisions de justice qui sont tombées et qui demandent que la parité soit dans les commissions aussi, à la tête des commissions. Bon, pour le reste, c'est une question de volonté politique. Si on veut qu'il y ait des femmes dans le gouvernement, plus qu'il y en a actuellement, parce que sur des trentaines, on compte 7 ou 8 femmes. C'est très peu, maximum 10. C'est très peu et c'est loin de la parité. Parce que la parité, c'est une loi, mais c'est un esprit. On veut aller vers la parité, c'est-à-dire l'égalité. Or, cette égalité, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que il y a un grand principe, c'est celui de la non-discrimination. Deux, les femmes ont les qualités requises, ma foi. Aller dans les bureaux, au niveau de la justice, dans le secteur privé, dans les universités, eh bien, il y a énormément de femmes qui sont capables. Mais on ferme les yeux sur ces femmes. Et comme les femmes sont en général posées, calmes, ne font pas tellement de bruit, c'est l'autre sexe qui se manifeste, qui fait du bruit, qui montre qu'il veut, même s'il ne peut pas. Il est audacieux. Les femmes manquent d'audace. Audace bien placée, je veux dire. Elle manque d'audace. Il leur faut plus d'audace. Vous savez, moi, en 2012, je venais à peine d'entrer en politique. Mais j'étais candidate à l'élection présidentielle. Et la première femme avec ma sœur Diomedien Diakhaté. Mais pourquoi? Parce que dans l'arène, depuis Mathusalem, depuis l'indépendance, il n'y avait que des hommes candidats. Il n'y avait pas encore eu une seule femme candidate à l'élection. Je veux dire, pour qui on a voté. On a préparé des bulletins et on a voté, c'est ça. Alors, c'est pour dire que moi j'ai eu de l'audace parce que j'ai ouvert la porte. Je venais à peine d'entrer en politique. Pas préparé du tout, mais j'avais une claire conscience, une vision qu'il fallait ouvrir cette porte hermétiquement fermée aux femmes. Je l'ai ouverte. Et maintenant, toutes les femmes veulent être candidates. C'est tout ce que je cherchais à l'époque. Bon, maintenant, il faudrait voir jusqu'où, parce qu'il faudrait qu'il y ait des femmes présidentes de la République maintenant. C'est ça qui est demandé. Alors, avec votre expérience, dites-nous, est-ce qu'il y a parfois une différence dans les choix politiques et des questions à traiter et la résolution des problèmes entre les hommes et les femmes? Des choix? Oui. Il ne doit pas y avoir d'alternative. Il doit y avoir une vision et une politique, celle de mettre les femmes à la place qu'il faut. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'autres alternatives. Est-ce qu'on peut ou on ne peut pas? On doit. C'est ça, on doit. Donc, quand on comprend que les femmes doivent participer, c'est des droits humains. Ensuite, qu'elles sont utiles à la société, qu'elles sont l'épine dorsale même de la société, parce qu'elles sont l'épine dorsale des familles. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'alternative. Il y a une seule possibilité, c'est
de leur reconnaître des droits et de les mettre à la place qu'il faut. Il y a assez de femmes, suffisamment de femmes. Renforcer évidemment les capacités quand il y a quelques insuffisances, mais il faut, c'est une obligation de résultat. Professeur émérite juriste chevronné, vous avez enseigné le droit, l'état de droit, socle des systèmes démocratiques. Mais aujourd'hui, nous remarquons que dans de nombreux pays africains, le droit est au service de la politique. Que faudra-t-il faire? Il faut mettre le droit à sa place. C'est-à-dire? L'art de gérer la cité. C'est-à-dire que le droit, vous savez, le droit, c'est ce qui permet l'ordonnancement de la cité. Il faut des règles de droit qui gère, qui organise. Il faut que chacun sache ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire, ce qu'il doit avoir et ce qu'il ne doit pas avoir. C'est ça le droit. C'est la règle et c'est les droits. Les droits, c'est-à-dire, vous avez un droit à votre intégrité physique. Quelqu'un ne peut pas venir et vous boxer, toucher à votre corps, non. Vous avez le droit de manger, le droit à l'alimentation. Vous avez un droit à l'éducation, au travail, etc. Il y a donc la règle de droit qui organise, parce que s'il n'y a pas de règle de droit, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi de la jungle. Chacun fait comme il l'entend et ce n'est pas possible. Pas d'organisation de la société. Donc, la politique, oui, mais la politique doit se référer au droit, à la règle de droit et respecter les droits des uns et des autres. C'est ça la vraie politique. C'est ça l'art de gérer la cité. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? Une politique politicienne où on fait de la magouille. Pour y arriver, on piétine les droits des uns et des autres, on piétine la règle de droit au point que la population ne s'y retrouve plus, eh bien ça doit être remis en cause. Dernièrement, j'ai écrit quelque chose sur l'état du droit sénégalais et j'ai parlé de requiem pour le droit sénégalais, pour dire que le droit sénégalais était presque mort. Vive le droit sénégalais. Pourquoi? Parce que j'ai vu des applications qui posent problème, manifestement en dehors de la légalité, des mauvaises interprétations des textes, parce qu'on veut adapter le texte à ce que l'on veut que ça soit. Or ça, avec ça, on ne peut pas avoir de société stable. Vous savez, le droit, il est créé pour régenter, organiser, stabiliser. Quand on ne s'y retrouve plus, il n'y a plus de stabilité. Donc le droit, il faut faire attention avec le droit. Il ne faut pas manipuler le droit. Il ne faut pas. Il ne faut pas croire que l'on peut utiliser le droit à des fins privées, à des fins individuelles, à des fins en dehors de ce que voudraient les populations ou en dehors de ce que devraient avoir les populations. Il faut des règles préétablies. Il faut qu'on sache où on est. Il faut qu'on sache où on va. Mais quand ça change, quand c'est instrumentalisé, quand on en fait un objet utilisable, une poupée ou une petite voiture pour enfants, eh bien, ça pose problème. Le droit, c'est le droit. Le droit, c'est le droit, ne pas en faire un objet. Nous allons tout de suite entamer la dernière partie de cette émission. C'est la toute dernière partie de cette émission, professeur. Nous avons des cartes ici que je vais vous présenter. Alors, derrière chaque carte, il y a un numéro qui correspond à une question. Donc, je vais juste vous inviter à faire un choix. Question 4. Les Sénégalais seraient-ils prêts à élire une femme à la magistrature suprême? Je le souhaite vivement. Et les Sénégalais, s'ils connaissent leurs intérêts, eh bien,
vont choisir une femme à la magistrature suprême. Je vous ai expliqué pourquoi. Parce que ne pas le faire, c'est du gâchis. Et depuis 1960, nous avons au Sénégal que des hommes. Nous n'avons que des hommes. Et bien sûr, il y a eu des acquis, mais beaucoup d'insuffisances qui pourraient certainement être comblées par une femme à la tête. Président de la République. D'accord. Est-ce que vous pouvez faire juste un autre choix, s'il vous plaît? Question 1. Un souvenir ou un fait qui vous a marqué dans votre carrière? Dans ma carrière? Oui. Quand j'ai obtenu l'agrégation en droit, ça m'a marqué. C'était pas évident pour une femme, surtout dans un monde de messieurs qui ne nous donnent rien. C'est à nous d'arracher les choses. Quand Dieu, parce que c'est Dieu, ce n'est pas moi, quand Dieu m'a offert l'agrégation, eh bien, je l'ai beaucoup remercié. J'ai remercié mes parents et j'ai remercié mon mari et ma famille de manière générale, mes amis aussi. Voilà. Le mot de la fin, professeur Amsoto Sow. Les femmes. Vive les femmes. Pour les familles, pour la société, pour le monde. Pour mieux vivre les femmes. Vive les femmes. C'est sur ces belles notes que nous vous disons au revoir. Merci beaucoup, professeur Amsoto Sow Sidibé, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir partagé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de retrouver les activités du Carré culturel sur notre site Internet et sur nos différentes plateformes. Pendant ce temps, chères dames, osez et affirmez-vous.